YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, 4 semaines, j'ai bu en fait le jus pour maigrir. Donc c'est une recette qui a été élaborée par Thierry Casasnovas, en tout cas c'est sur sa chaîne que j'ai trouvé, donc le lien sera en barre d'infos. C'est-à-dire que c'est un jus que j'ai bu chaque matin dans le but d'accélérer ma perte de poids. Et donc les ingrédients sont 4 oranges, 4 citrons, des épinards, du piment rouge, du gingembre, du curcuma et du persil. Donc Thierry explique bien les propriétés de chaque aliment, je vous laisse regarder la vidéo. Et donc j'ai testé ça, j'ai fait ce jus tous les matins, j'en prenais au début peut-être 50 centilitres, 1 demi-litre. Et après j'ai augmenté, j'ai fait 75 centilitres, c'est ça. Donc la machine que j'utilisais en fait avait un rendement quand même assez important. Donc des fois je mettais que 3 oranges ou 3 citrons, ça dépendait de la taille des fruits aussi. C'est un jus en fait qui a très très bon goût, l'épinard se sent vraiment, vraiment très très peu. C'est un jus qui est très vert et qui a un petit goût épicé vu que, quand même qu'on met du piment. Moi j'ai choisi un piment pas très fort mais dans tous les cas avec le gingembre tout ça, ça fait vraiment un jus épicé. Et je vais vous en parler parce que je sais que beaucoup de personnes veulent perdre du poids, hein. Je pense que c'est le cas de beaucoup beaucoup de gens actuellement. Donc le but c'est pas de prôner les régimes, de prôner en fait, je sais pas moi, l'obsession du poids et choses comme ça. Mais je pense que quand on a en fait un problème de poids sérieux, il faut penser à toutes ces solutions naturelles en fait qu'on a à notre disposition, qui ne coûtent pas très très cher non plus et qui nous permettent tout simplement de se sentir mieux et plus rapidement. Donc le but c'est pas de perdre 1 kg par jour, choses comme ça, hein, c'est pas le but. Donc en fait moi j'ai commencé ce jus pour maigrir peu après avoir commencé des jus tout court en fait. Je pense que j'ai commencé par ça directement et donc c'était peut-être un mois et quelques après être devenue végétarienne. Donc j'ai commencé par ça et c'est vrai qu'au début c'était assez difficile en fait pour mon corps de s'habituer parce que déjà j'avais jamais fonctionné comme ça avec les jus quotidiens et donc forcément ça a été un petit peu, c'est pas violent mais la réaction de mon corps a été assez brutale en fait quand j'ai commencé ce jus là puisque c'est vraiment un jus qui est quand même légèrement laxatif si vous voyez ce que je veux dire, qui active vraiment la circulation, qui fait bouger pas mal de choses et j'avais vraiment l'impression en fait que ça me grattait de partout, que mon sang s'activait dans tous les sens et donc c'est vrai que c'était assez impressionnant en fait. Mais bon, comme je savais que c'était rien de négatif, rien de grave, rien de néfaste, forcément j'ai continué. Donc j'ai eu aussi vraiment en fait au début des gaz, voilà, et j'ai eu vraiment cette envie d'aller aux toilettes, pas forcément de faire, enfin j'avais pas forcément de diarrhée mais c'était vraiment plus mou que d'habitude on va dire, et c'est vrai que dans la journée c'était difficile quand même pour moi de me retenir, il fallait que j'aille plusieurs fois dans la journée etc. Donc ça peut être contraignant pour certains, bon moi ça me gênait pas plus que ça, donc voilà j'ai fait avec, et au bout de peut-être aller quelques jours, moins d'une semaine, ça s'est vraiment bien régulé, donc ça me faisait quasiment plus rien, juste une sensation d'échauffement. C'est vrai que c'est un jus qui réchauffe, donc je pense que cet été, enfin cet hiver pardon, je vais le faire parce que vraiment ça réchauffe le corps, ça fait du bien, ça dynamise, vraiment plus besoin de café. Voilà, donc moi je pense que ça m'a aidé notamment à arrêter le café. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur l'arrêt du café si vous êtes dépendant. Et voilà, donc c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup aidé à être dynamique le matin. Faut savoir que comme je filtre très bien mon jus, mon corps l'assimilait très rapidement. Donc voilà, au bout de 15 minutes, même pas, je me sentais vraiment en pleine forme. Donc c'est un jus que je vous conseille. Alors j'ai quand même une abonnée qui m'a dit en fait que ça lui a pas réussi du tout, elle par contre. Alors je pense que voilà, ça réussit pas forcément tout le monde, tout dépend de votre état. Il faut vraiment faire de petites doses au début, vraiment de petites petites doses. Êtes-vous un petit verre de, par exemple de 25 centilitres pour tester, pour voir. Je sais pas, une orange, un citron, un petit peu d'épinard, voilà, vous réduisez. Moi j'avais réduit même de moitié les ingrédients je pense au début, de moitié oui. Mais bon, comme j'avais un appareil qui faisait pas mal de rendement, ça me faisait quand même une bonne quantité de jus. Mais voilà, vous pouvez vraiment réduire, mettons par 4, je sais pas, les ingrédients pour voir en fait. Et bon, si ça vous convient pas, ça vous convient pas, hein, mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment réussi. Alors j'ai trouvé que mon poids vraiment a baissé. Alors c'est vrai que je me pèse pas, donc c'est un peu compliqué de vous expliquer, puisque bon, moi je me mesure pas non plus, je suis contre en fait tous les chiffres. Pour moi c'est vraiment la meilleure façon
en tout cas personnellement pour moi, de me torturer, donc je ne pratique pas tout ça. Mais c'est vrai que j'ai senti que je perdais vraiment plus vite, mais pas non plus ultra vite, genre 1 kg par jour quoi, voilà. Je me sentais pas mal, je voyais bien que c'était pas dangereux, mais j'ai vraiment perdu de la mauvaise graisse, de la cellulite vraiment pendant cette période là. Et quand j'ai arrêté, je l'ai continué à en perdre, mais beaucoup moins rapidement. Donc ce jus, je le fais peut-être une fois par semaine, quelque chose comme ça, pour maintenir, et puis aussi parce que j'aime beaucoup le goût. Donc voilà mon expérience, pour moi c'est une réussite totale, une très belle découverte, vraiment, je suis très très contente d'avoir découvert cette recette, et je vous la conseille tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.